On est là. Salut tout le monde, bon matin. Bienvenue à notre vendredi Total Look post Halloween. On espère que vous avez eu du plaisir hier à l'Halloween pour celles qui avaient des activités. Nous trois, on en avait. On a eu du fun. On s'est fait des bras avec les petits. On a eu des bonbons. Ouais. J'ai mangé vraiment trop de bonbons. Ouais. Pour celles qui venaient nous voir aujourd'hui, il nous reste des bonbons d'Halloween. Oui, s'il vous plaît. Venez les manger pour nous. Sinon, c'est dans les bonbons que ça sort. Une fois dans l'année. C'est ça. C'est un spécial. Ah ouais. Alors, on est aujourd'hui de retour dans nos collections automnales, début des fêtes aussi, parce qu'on est en train aussi de transformer le magasin tranquillement dans les fêtes, toutes des idées pour des kits de party de bureau, des soirées entre amis, plein de nouvelles idées. Et pas nécessairement, on pense pas aux fêtes nécessairement paillettes, gling gling, comme les gens disent, ça peut être des looks complètement différents, super fashion, donc on y va vraiment dans nos goûts et dans ce qu'on aime porter et ce qu'on peut aussi des fois reporter facilement. On a de tout. Oui, puis je vais juste ajouter, parlant de paillettes, aussi, il ne faut pas penser que la paillette se porte seulement dans le temps des fêtes. On a souvent dans nos collections de la paillette, même en plein été, donc même si vous allez vers la paillette, c'est des choses que vous pouvez reporter. Ouais. Même dans le sud, avec des jeans, donc... C'est vrai, très beau. Je suis brillante, hein, ce matin. Comme une Alors, Mel, t'es bien partie. Ah, mais vas-y, Mel. Je me propose que tu commences, Alex. Ah, bon. Okay. Après, t'as de l'essayage à faire. Je commence. Oui, j'ai fait un beau concept à Mel ce matin, là. Bon, je vais commencer. J'ai eu heure de commencer. je vais mettre. J'avais un kit complet, mais là, pour starter une vidéo, j'avais peut-être un petit peu chaud à l'intérieur. Donc, mais je voulais quand même vous montrer le kit complet comme ça. J'ai vraiment un mix de couleurs et c'est ce que j'aime parce que ça fait monochrome, mais pas trop. J'ai du beige, du brun, du noir, un beige un petit peu plus foncé sur la botte et j'ai des motifs semblables mais différents. Alors voici, des fois, même si on a un manteau avec un motif, il ne faut pas se limiter, il faut oser le porter même si vous avez d'autres motifs en dessous. Alors voici mon manteau coup de cœur, là, ça, il en reste vraiment plus beaucoup, là, je pensais peut-être même le dernier, il est magnifique à porter tout l'hiver, il est quand même chaud, doublé, super intéressant. Alors, je vous ai mixé ce matin brun et noir. Et beige, là, avec mes bottes. Donc, brun et noir, des couleurs, des fois qu'on n'ose pas trop porter, mais là, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup. J'ai mis le body qu'on vous a présenté mercredi, puis qu'on vous a présenté aussi quelques fois, que justement le brun et le noir avec camisole noire. Un super beau veston, un petit peu oversize, mais pas trop. Donc, vous voyez la longueur. Je trouve ça super intéressant. Je suis venue monter mes manches comme ça. Voilà, donc ça peut être un kit party. Je vais après, Marie, peut-être tu peux m'avancer mes chaussures. Oui. Noir, parce que je vais vous montrer avec un escarpin pour celles qui le veulent un petit peu moins funky et un petit peu plus chic. Alors voilà, veston un petit peu oversize qui donne un beau look. Et, merci. On va faire, non pas tout de suite l'échange. Parfait. Je vais vous montrer la coupe du pantalon. Vous voyez vraiment taille haute qui vient se cintrer à la taille, avec des plis, pantalon hyper confortable, vraiment le fun. Donc, à porter même avec des gros tricots, des chemisiers, c'est vraiment quelque chose qui peut passer plus chic et plus sport. Et je vais vous changer ça très rapidement. Avec mes beaux petits bas, je vais enlever mes petits bas. Je vais juste peut-être mettre une chaussure. Vous voyez la longueur, je vais juste faire un pied pour ne pas vous faire attendre à l'écran. Voilà. Alors voilà le look escarpin, donc le pantalon qui tombe plus long, ça fait un petit peu plus chic. Pour celles qui ont un party, ça pourrait être super intéressant, même justement avec un beau top paillette. Et voilà, j'ai un super beau look. Et voilà, je vous laisse les filles. Donc, bon matin. Moi, j'arrive avec vraiment un look monochrome en dessous, donc bicolore noir-blanc. Mais avec vraiment le punch du bomber couleur fuchsia.
Super intéressant ce bomber-là parce que il est fait en plume d'oie, donc super léger, même, tu sais, des fois on veut l'apporter, mais après il va faire plus chaud dans la soirée ou en tout cas dans la journée, puis ça se porte très bien et ça se met vraiment, vraiment petit. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et donc vous voyez là, on peut le tourner les manches, c'est noir en dessous, il est réversible. Donc je vais juste vous montrer là, les deux façons de le porter. Donc, vous voyez là, le même manteau fait deux couleurs. Donc, voici un capuchon, bouton noir, bouton argent, celui-ci, bouton noir ici. Donc, vous voyez là, très, très, très beau les coutures pour les manches qui sont fuchsia également. Donc, je vais vous montrer aussi un autre, en fait, les autres couleurs qu'on peut mettre. Donc, c'est quoi? C'est taupe. Taupe et fuchsia, réversible, fuchsia et taupe. Il est chaud pour l'hiver aussi, hein? Il est chaud, c'est ça, il est fait pour l'hiver à cause du duvet de... C'est duvet d'oie, hein? C'est bien ça? Donc, voici les autres couleurs. Super intéressant comme manteau. Je vous montre en dessous. Merci, Mel. Donc, cette jupe-là, super intéressante, elle est bimatière, donc... très confortable parce qu'elle est faite en coton ouaté. Donc, une moitié coton ouaté, l'autre côté, prince de guerre, donc carotté avec une écriture « Life isn't perfect, but your outfit can be ». Donc, on a déjà vu cette phrase-là sur des chandails l'année passée. Donc, super intéressant. Donc, voici, taille élastique aussi en prince de guerre et petite décoration en velours ici. Donc, super intéressant. Je me tourne, je vais vous la montrer au complet. Elle est quand même assez évasée et aussi il y a un pli, pas un pli, mais il y a une fente dans le milieu, comme ça. Et je suis venue mettre avec des rayures, donc une chemise à rayures avec le col élastique, on peut voir ici. Et c'est toujours intéressant de mélanger les rayures carottées, donc c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Et j'ai mis en dessous notre fameux bambou. Donc voici l'outfit ce matin. Très beau, Marie. Donc, je vous présente un look. Là, je suis vraiment dans des textures et des prints complètement différents qui se marient super bien ensemble. Donc, vous voyez, manteau long, gris et blanc à rayures. J'adore vraiment ce manteau. Vous pouvez le porter en robe également. Donc, vous pouvez le porter avec rien en dessous. Simplement en robe, bustier, dentelle, ça peut être très beau. Il est doublé, donc parfait pour l'automne, mais je vous dirais, là, les journées plus froides, là, on met un manteau un petit peu plus chaud, mais pour là, ce temps-ci, c'est parfait, puis ça donne vraiment un beau look. Même si vous êtes petite aussi, vous pouvez porter un manteau long comme ça, c'est très intéressant. Donc, je vous montre dessous. J'ai mixé une robe et un gros tricot. Donc, je vous montre. Donc, gros tricot beige, col en V. Vous voyez aussi là, toute la finition qui est côtelée. Donc, super intéressant. On peut venir le porter vraiment avec un jeans aussi plus long. Moi, j'ai choisi de venir le mettre par-dessus ma robe léopard comme ça et d'ajouter une ceinture à la taille pour venir définir. Ça ajoute un autre look. Donc, ça fait vraiment très beau. Puis aussi, venir le porter... simplement, là, j'aurais pas été obligée de mettre une ceinture, c'est pour vraiment bien compléter le look. Et c'est très beau sans ceinture également. Donc, ça vous donne un look vraiment plus loose. Donc, c'est super beau. Là, je le porte avec escarpin, mais honnêtement, là, la petite botte de Alex Cowboy beige, vous pouvez venir porter ça avec ça. Ça fait très beau aussi. Et là, je vais vous montrer une autre façon. Je vais vous montrer la robe tout court. Ça va, Alex? Tu t'en sors? Non, oui, mais moi, ça va super bien. J'ai l'impression que t'as aidé Marie. Ah, OK, bon! Donc, robe de léopard. Donc, on a... celle-ci, je crois qu'on l'a juste dans une grandeur, mais elle est quand même extensible. Donc, vous voyez que c'est quand même ajusté. Mais vous avez... ici, vous avez de la place, là. Donc, elle tombe un petit peu plus évasée au bas. Manche longue dans un tissu super doux, avec le col montant aussi, comme ça. Vous pouvez l'utiliser, là je sors de l'écran, vous pouvez l'utiliser en fait, comme là c'est ça que j'ai fait, j'ai mis un tricot par-dessus. Vous pouvez mettre un tricot noir même par-dessus, plus court, ça vous donne l'impression d'être en jupe, mais vous avez aussi la longueur et la texture, le print des manches et du col, ça peut être très beau. Sinon, porter
vraiment. Là, si j'avais eu un petit basket blanc, j'aurais pu mettre un petit basket collant nude aussi, là, et venir rajouter un petit bomber comme ça. On peut venir l'attacher juste en haut comme ça, et ça vous donne un autre look complètement plus sport. Là. J'aurais changé de mes escarpins, donc ça vous donne un autre look. C'est beau, Mel. C'est beau, hein? Hey, je l'aime. C'est tellement confort, cette... Oui, la texture de cette robe est magnifique. C'est vraiment comme un élastique, vraiment le fun. Alors, jupe, premièrement, vous voyez, avec push. Donc, hyper confortable, le fun avec ses poches. C'est un tissu très satiné, fluide. Vous voyez, quand je bouge, vous voyez la fluidité du tissu. Et je suis venue le marier avec quelque chose, avec une couleur qui n'est pas vraiment dans la jupe. Donc, je suis venue mettre un bambou qui est court. Donc, je ne suis pas obligée de tout le rentrer. Là, c'est vraiment ici, vous voyez la longueur. Donc, j'aime beaucoup ces bambous-là plus courts pour ne pas avoir de plis au niveau ici du ventre, des hanches. Des fois, quand on rentre, je trouve ça intéressant. Alors, choco, pour venir chercher un peu les couleurs orangées, tan, puis il y a même un petit peu d'effacé qui pourrait sortir choco, mélangé avec la botte beige, ceinture choco et tricot lilas, super beau, hyper comme éclatant comme couleur, ça vient, c'est un peu moins sombre comme couleur d'automne, je trouve ça le fun, même cette couleur-là, on s'entend, on peut porter ça avec du noir, du jeans, les charcoal, c'est vraiment intéressant. Alors, j'aime beaucoup venir sortir la manche, on vous le présente beaucoup cette saison-ci, ça vient donner de la profondeur à votre ensemble, ça vient vraiment donner le détail, même avec un beau bracelet sur la manche de bambou, ça pourrait être super intéressant. Alors, je vous montre quand même la longueur, c'est pas un tricot qui est fait super long, mais quand je bouge, on voit rien, vous n'êtes pas obligé de venir mettre quelque chose en dessous non plus, là. C'est vraiment à votre choix. Et cette jupe-là, ben, vous pouvez la mettre pratiquement 4 saisons, parce qu'avec une petite camisole l'été, belle sandale, ça se porte. Les couleurs sont incroyables, je la trouve magnifique. Fait que vous voyez, j'ai une botte beige, j'ai du brun, du lilas. C'est un ensemble de couleurs qui va bien ensemble, mais qui n'est pas le match parfait. Là. C'est vraiment, je vois Marie-Claude courir en arrière. Donc, voilà. Fait que vous pouvez vraiment, là, je pourrais vous montrer aussi juste avec le bambou. J'attends que Marie arrive. On s'entend, les bambous, c'est plus, pour moi, en tout cas, tu sais, j'ai plus de buste. C'est pas quelque chose que je viens porter seule, mais il y en a qui le font, parce que regardez, quand vous avez votre jupe, ça peut quand même faire un top un petit peu plus sexy, là, quand que vous avez une sortie. Alors, Marie, tu es prête? Elle court dans toutes les sens, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait, elle s'en vient. Vraiment, juste pour avoir un accessoire, un collier de perles, j'ai couru. Donc, voici le deuxième outfit. Super intéressant parce que, vous voyez là, jupe de tulle. Je vais reprendre mon souffle parce que là, j'ai couru. Donc, jupe de tulle, vous voyez là, quand même assez longue avec les rayures sur le côté et en dessous, la jupe qui m'arrive un peu plus haut que le genou. Donc, ça, c'est super intéressant, super tendance aussi. Et j'ai mis par-dessus le veston en cuir vegan. Juste, je vais aller chercher l'autre couleur, un instant. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, vous voyez là, il est très intéressant ce veston-là. Il y a du argent. Les boutons sont argent, mais il y a aussi au niveau des coutures. Donc, il y a vraiment là un appliqué de teinture différent. Aussi les épaules. Quand même assez cropped, vous allez voir aussi les poches qui sont pleines de grandeur, puis cropped un peu plus en arrière, donc je vous montre. Donc très beau. On l'a aussi dans une autre couleur, hein? Si on veut mettre un peu plus de couleur, parce que moi mon kit est très très monochrome aujourd'hui, ben monochrome noir et blanc, donc vous l'avez également avec du bleu. Donc voici là, ça fait intéressant de mettre des fois juste un peu plus de couleur. Je suis encore essoufflée. Et on a mis. J'ai décidé de mettre juste un t-shirt en dessous. Un t-shirt quand même assez festif qu'on va pouvoir reporter. Donc, il y a des petits appliqués de diamants là, sur le t-shirt. C'est un t-shirt qui est quand même fait assez cintré et une boucle qui rappelle la boucle du temps des fêtes, mais qu'on pourrait remettre l'été également. Donc, je vous montre là, c'est noir et argent. Donc, voici.
Et là, je suis venue mettre ça, moi, avec des bottes blanches. Donc, ça fait, tu sais, on a vu cet été des bottes blanches l'année passée aussi. On les reporte, on les ressort. J'aurais pu aussi mettre un escarpin noir pour faire quelque chose d'un peu plus classique. Ou même un escarpin de couleur très, très vive pour faire différent. Donc, voici. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt? Je vais mettre une botte noire. Sérieusement, on court la matin, là. On se voit que c'est le lendemain de l'Halloween. Ouais, mais on est trois au lieu de quatre. Depuis tantôt, j'ai de la misère à parler. Je cours. Mais tu t'aimes, t'es correct? En espèce de laine rayée. Donc, il est vraiment comme taupe avec une mini ligne grège, là, je vous dirais, là, dedans. Super beau. Bouton argent noir, mon Dieu. Et vous pouvez aussi le serrer au poignet ici. Puis vous voyez la manche, là, quand même grosse manche. Super, super beau comme manteau. Vous avez des poches également sur les côtés. Très le fun. Donc là, je vais vous le détacher derrière juste pour vous montrer. Donc là, je suis dans un look un peu classique avec la jupe, mais funky à cause de mon top léopard. Donc là, c'était ma thématique ce matin, j'étais en léopard. C'est ça. Donc, passer une journée. Donc, vous pouvez vraiment venir l'attacher comme ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, super beau manteau. Et là-dessous, je vais vous montrer. Bien, je vais pas vous montrer, je vais vous dire que vous avez deux façons de pouvoir le porter. Donc, c'est vraiment, vous avez un collet, un col vraiment décolleté comme ça. Motif léopard, c'est un body, donc on attache à la fourche. Vous voyez le dos. Donc, vous voyez le dos, comment il est fait. Donc là, ce que je suis venue faire. Je peux juste enlever tes choses. Parce que, bon, je sais pas. Voilà, le dos comme ça, vous avez le col, en fait, qui monte vraiment ici. Et qui est plus décolleté devant. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bandeau noir pour vraiment venir cacher mon soutien-gorge et venir cacher mon décolleté que ça fait ici. Donc, à ce moment-là, ça vient aussi remplir le dos. Par contre, celles qui veulent, puis le faire vraiment plus osé et sexy, venez le porter sans soutien-gorge ou seulement avec des coquilles. Vous venez coller, dans le fond, votre devant et vous avez vraiment le dos dénudé comme ça. C'est hyper beau, super sexy aussi et très élégant. Que je vais me mettre avec une jupe portefeuille. Donc, on vient attacher ici et de l'autre côté ensuite. Donc, ça vous fait une belle forme comme ça. Pas trop non plus. Donc, c'est vraiment la jupe longue, mais pour travailler. Là, celles qui travaillent dans des bureaux, mettre ça avec un veston aussi, c'est très beau. Donc, voilà. Je vous entendais derrière. Ah oui, on va aller dire. Je vais venir présenter mon kit. Oui. Mais elle me cache. Oui, mais je voulais féliciter Mel d'avoir gardé son sérieux parce que j'étais d'un côté de la caméra et Marie est de l'autre. Puis on se parlait, puis Mel, elle vous parlait. C'était quand même. J'étais chef d'antenne. Exactement. Alors, un autre coup de cœur, cette jupe-là, qui est en velours tapé avec un imprimé ici de forêt, tigre, mais c'est vraiment subtil comme print. Mais j'adore ces prints-là. On a un chemisier aussi comme ça qui est magnifique à porter, même avec un jean. Et je suis venue ressortir le côté beige avec le bouton doré. Ce veston-là est le fun. C'est un, je l'appelle veston blues chandail, je vous dirais. Là, c'est vraiment élastique. Donc, pour celles des fois qui ne sont pas à l'aise dans un veston avec la manche ici qui est toute plissée à l'épaule, ça peut être intéressant. Et vous pouvez venir le porter aussi plus court comme ça, comme si c'était un effet plus rentré. Donc, c'est un morceau très polyvalent. Là, en marine, j'adore ce morceau-là. Il est hyper confortable. Alors, voici, j'ai récupéré la même botte,
Mais j'ai réussi à me changer, Mel m'avait mis au défi. Alors, je crois que j'ai relevé mon défi. Ça va, Mel? Michel a dit wow. Oh, merci, Michel. Ah oui, je vais le montrer aussi en marine. Alors, voici le marine. Je vous dis, c'est un morceau qu'on peut vraiment porter quatre saisons. Je le trouve hyper pratique. Laval, c'est vraiment un morceau très intéressant. Ah, oh, puis je vais vous montrer quelque chose, c'est vrai. Pendant que je jasais dans le dos à Mel, Mel vous a présenté ce chandail-là dans notre Mercredi Express. Et je trouve que c'est une belle façon de transformer justement des jupes comme ça. Donc, le coton ouaté, il est en V. Intéressant pour celles souvent qui cherchent des V. Alors, voici, tu sais, on vient transformer un look plus sport, mais élégant. Donc, voilà. Très beau. Ah oui, moi, je retourne. Donc, je voulais faire une petite modification à mon kit précédent. Donc, j'ai changé mes bottes blanches, je les ai mis noires. Et je suis venue, au lieu de mettre mon gros manteau d'hiver, je suis venue de mettre un petit bomber en léopard que j'ai présenté la semaine passée, et je le trouve très, très intéressant avec cette jupe-là. Donc, vous voyez, là, c'est un bomber, fausse poche à l'avant, vraie poche sur le côté, doublure noire en satin, aussi col côtelé élastique, les manches, la taille aussi, bouton pression noir, mât. Donc, je trouve ça super beau. Et c'est à reporter aussi avec un peu n'importe quoi, là, un jeans, un pantalon noir. Donc, ça donne un effet très, très tendance, étant donné que l'Allemand Print est vraiment présent mais cette saison-ci. Pour revenir à l'écran, les trois, on est vraiment gardés dans les mêmes inspirations. On n'a pas fait exprès. Et on pourrait vraiment prendre une photo. Prenez un shot screen, c'est le temps. Alors, Mette, tu peux peut-être Oui, j'ai juste rajouté ce bomber-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est super. Look baseball, collégial, un peu ça, vous mettez ça avec tout. Mais ces trois tops-là, moi, c'est dans mes coups de cœur. Le bomber de Marie aussi, je l'adore. Il est vraiment stylé, il est vraiment bien coupé. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup, puis je vous ai parlé de lui. Donc, j'ai oublié de dire qu'il y avait des épaulettes. Je trouve ça super intéressant. Ça met vraiment une structure là, aux épaules. Oui, on le voit. Mais pas des grosses épaulettes, quand même assez légères, mais je trouve ça fait un joli détail. Très beau. Alors, merci de nous avoir écoutés pour notre vendredi total. Là, puis là, ça me fait rire quand je dis écouter parce que je sais qu'il y en a qui sont au travail et qui nous écoutent sur silence. C'est ça, c'est parfait. D'avoir regardé et écouté. Si vous avez des questions, je me répète, mais je pense que c'est important. Consultez-nous, écrivez-nous sur Messenger, appelez-nous, ça nous fait plaisir de vous donner un coup de main. Venez nous voir en magasin, on est là. Alors, bonne journée. Bonne journée. Et puis, on se revoit. Chantez que Mel a voulu ajouter. Ah non, je vais juste sourire. Bon. On se revoit mercredi pour notre Mercredi Express. Passez un super beau week-end et à bientôt. À bientôt. Bye. Salut tout le monde. Bye.